Francis. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est moi. Je ne dérange pas? Du tout, entre. Ah, quel orage, c'est vous. Je suis sorti à cheval pour me dérouiller un peu. J'en ai profité pour venir vous saluer. Tu as bien fait. Comment vont tes filles? Magnifique. Jeanne ne lâche pas son chevalet de la journée. Et Lucie roucoule devant son piano. Bien. Et Cécile? Elle ne va pas tarder. Quand elle sentira l'odeur de la brioche, elle va sûrement se réveiller. Et son mariage avec le jeune Négrel? C'est dans l'air, on en parle. Mais rien n'est encore fait. Ah. Eh bien quoi, donc, on a déjeuné sans moi? Tu dormais si bien. Bonjour, cousin. Bonjour, ma belle. Tout marche-t-il bien, Jean-Bart? Dame, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nous payons les années prospères. Mais toi, Léon, tu as eu tort de ne pas vendre tes actions. Mélanie, j'en rêvais. C'est fini, chien. Venez, couchez. Mon pied. C'est encore cette femme avec ses deux enfants qui revient. Ma fille, remplis ton petit office. Honorine, va donc chercher le paquet dans l'armoire. Merci bien, mademoiselle. Vous êtes tous bien bons. Les pauvres mignons. Sont-ils pas lourds d'être allés au froid? Vous n'avez que ces deux-là? Oh, madame, j'en ai sept. Sept enfants? Mais pourquoi? Bon Dieu. C'est beaucoup. Vous travaillez depuis longtemps aux mines? Moi, je suis descendue jusqu'à 20 ans. J'ai arrêté quand j'ai accouché. La deuxième fois, quand je me suis mariée. J'avais assez de besogne à la maison, mais... du côté de mon mari, ils sont là-dedans depuis des éternités. Là, il va avoir bien chaud. Les pauvres mignons. Merci beaucoup, c'est bien. Mais on est tellement à court. Si on avait une pièce de 100 sous seulement. Non, ça n'est pas dans nos habitudes, nous ne pouvons pas. La compagnie vous donne le loyer et le chauffage, bien sûr. Oui, madame, on nous donne le charbon. Et le loyer n'est que de 6 francs par mois. Ça n'a l'air de rien, mais souvent c'est dur à payer. Ce mois-ci, on n'a plus rien. Il faut faire des économies, ma bonne. Comme nos paysans, il ne faut pas tout boire. Tiens, mon mignon, tu partageras avec ta sœur.